Mike Quincy, que se passe-t-il? Vous regardez autour de vous et le monde semble être devenu fou. Vous pensez que cela ne pourrait pas être pire, mais c'est le cas. Et malgré tous vos efforts, il semble impossible de le contrôler. Des choses qui avaient fait leur preuve s'avèrent maintenant ne pas être à la hauteur dans des circonstances inédites. Vous réglez un problème et un autre prend sa place et vous ne semblez pas avoir assez de temps pour le régler. Vous demandez ce qui se passe car vous savez que les forces obscures sont à l'origine de la plupart des problèmes auxquels vous êtes confrontés. Vous apprenez que la pandémie a été créée par l'homme et qu'elle a été mise en place pour tuer un très grand nombre de personnes afin de la rendre plus facile à gérer. Heureusement, les événements sur Terre sont surveillés par les forces de la lumière. Vous vous demandez ce qui peut arriver de plus pour aggraver les problèmes qui s'accumulent. L'avenir semble incertain car les changements se produisent à un rythme rapide. Mais tout n'est pas aussi mauvais qu'il n'y paraît. Nous supervisons les événements sur votre terre et permettons ceux qui font partie du plan afin que le nouvel âge puisse réellement commencer. Le plus tôt sera le mieux et vous en verrez des bénéfices pour l'ascension de l'homme qui a été planifié il y a des éons de temps pour commencer à la fin du dernier cycle. Vous devriez maintenant réaliser que ce n'est pas un hasard si les événements sur Terre ont pris un cours qui nécessite de grands changements afin que l'homme puisse s'élever avec l'augmentation des vibrations. Il y a tellement de choses anciennes qui doivent être éliminées avant que vous puissiez bénéficier des changements prévus. Cela implique des changements à la fois spirituels et physiques qui vous propulseront dans la lumière qui n'a pas de place pour ceux qui ont des vibrations inférieures. Entre-temps, les événements créent des opportunités pour les âmes de la lumière afin d'aider les autres à comprendre ce qui se passe en ce moment et combien c'est important pour leur avenir. Les êtres obscurs ne peuvent plus gagner la bataille pour le contrôle de la Terre et lentement, mais sûrement, ils seront tenus responsables de leurs actes. Il est clair qu'ils sont tout aussi responsables que n'importe quelle autre âme de leur action et le jour de leur jugement se profile dans le lointain. Soyez assurés que personne ne s'en sort avec ses actions négatives et qu'ils tireront des leçons de leurs expériences et seront testés dans leur vie future. Il est évident que toutes les âmes doivent répondre de leurs actes, mais il faut d'abord comprendre ce qui les a motivés. Cela est suivi par d'autres vies où des situations sont créées afin qu'elles soient confrontées au défi de ne pas refaire les mêmes erreurs. Dieu ne punit pas les erreurs et la croissance spirituelle se fait en devenant une personne aimante qui considère toutes les autres âmes comme une et comme des enfants de Dieu. Chaque âme est l'incarnation de toutes ces expériences, donc naturellement, certaines sont beaucoup plus basses ou plus hautes. C'est pourquoi vous êtes mélangé avec d'autres âmes. La Terre est un endroit difficile à gérer, mais une leçon apprise à travers de telles expériences ne sera jamais oubliée, et vous avez toujours vos guides pour vous aider. À moins qu'une âme n'aille complètement à l'encontre de la lumière, il y a toutes les chances qu'elle finisse par s'élever et qu'elle laisse les vibrations inférieures derrière elle pour toujours. Il est tellement compréhensible que les forces obscures
préfèrent rester silencieuses et faire de leur mieux pour vous cacher la vérité. Cependant, nous vous incitons toujours à prendre les bons chemins qui mènent à la libération de leur emprise. Lorsque vous reviendrez au niveau spirituel, entre deux incarnations, vous comprendrez mieux ce qu'était votre plan de vie et comment vous l'avez géré. Cela se fait sans aucune incrimination et dans le but de vous aider dans vos prochaines vies. Comprenez que vos aides ont déjà traversé les niveaux auxquels vous vous trouvez et qu'ils sont bien équipés pour vous aider à traverser les vôtres à partir de leurs propres expériences. La vie peut parfois sembler très solitaire, mais vous n'êtes jamais seul avec vos problèmes et l'aide est toujours à portée de main. Lorsque vous pouvez reconnaître la présence de vos guides, communiquez avec eux par tous les moyens, car ils vous écouteront et vous répondront en mettant des pensées dans votre esprit. Le monde invisible attend votre présence et c'est un monde que vous avez visité tant de fois au cours de nombreuses vies. C'est normalement une occasion joyeuse lorsque vous revenez et que vous rencontrez de vieux amis et votre famille. La perte d'un membre de la famille est une occasion si triste et de nombreuses larmes sont versées. Mais l'âme qui est retournée à l'esprit est clairement ravie de retrouver de vieux amis. Ils ressentent votre chagrin à la suite de leur disparition et souhaitent pouvoir vous faire savoir qu'ils sont sains et saufs, attendant le jour où vous reviendrez également. Pour eux, il peut sembler que peu de temps s'est écoulé lorsque les âmes retournent à leur niveau, car ils passent beaucoup plus vite. Combien de larmes pourraient être essuyées si la vérité était connue ? Parfois, une âme vous contactera par le biais de vos rêves. Alors, soyez assurés qu'il s'agit d'un contact authentique. Vos proches s'intéressent beaucoup à la façon dont vous vous portez après leur départ. Et les gens peuvent vraiment les sentir autour d'eux lorsqu'ils leur rendent visite. Comme vous, ils ont une envie éternelle et beaucoup sont ce que vous appelleriez à juste titre de vieux amis. Dans la vie, vous pouvez rencontrer un parfait inconnu et vous entendre immédiatement avec lui comme si vous étiez de vieux amis, comme c'est souvent le cas. Certaines familles restent souvent ensemble à travers de nombreuses incarnations, mais peuvent prendre un rôle familial différent de celui qu'elles avaient auparavant. La vie dans la réalité est très différente de ce que la plupart des gens imaginent. Normalement, beaucoup plus agréable et gratifiante et bien sûr plus excitante car vous avez tellement plus de choses à découvrir et à étudier. La Terre peut être un professeur difficile, mais une fois que la leçon est apprise, elle reste avec vous. C'est très acceptable lorsque vous pouvez choisir le type d'expérience de vie que vous voulez. Cependant, chaque incarnation fait l'objet d'une réflexion approfondie afin de s'assurer que vous utilisez votre temps précieux à votre avantage. Je vous laisse avec amour et bénédiction et que la lumière illumine vos jours et votre chemin vers l'accomplissement. Ce message vient de mon soi supérieur, mon soi Dieu et chaque âme a la même connexion avec Dieu. Dans l'amour et la lumière, Mike Quincy. Merci de partager au plus grand nombre.